souvent besoin d'un partenaire. Que ce soit dans le crime, pour affronter le monde, ou simplement pour se sauver du quotidien et de ses abîmes les plus profonds. Ces personnes qui nous aident ou parfois qui nous sauvent la vie, on leur donne plusieurs noms. Des amis, des meilleurs amis, ou simplement parfois des coéquipiers ou des partenaires, qui portent en eux une promesse, celle de ne jamais laisser l'adversité et la froideur de notre monde l'emporter sur ce qui pourrait être nécessaire dans notre vie de tous les jours, être soutenu. Soutenu face aux épreuves qui nous semblent insurmontables, soutenu face aux personnes qui nous empêchent d'avancer et de progresser, soutenu simplement face à ce fait que notre quotidien, dans ce que celui-ci a de plus positif, ou de plus négatif finalement, ne l'emportera pas. Ce que nous recherchons dans ces partenaires, c'est à la fois quelqu'un qui nous comprenne assez bien, mais surtout qui le fasse de manière rapide et sûre. Ces personnes, en fonction des auteurs de la semaine, prennent différentes formes, mais ont toujours cette base en commun de tenter le tout pour le tout, afin de mieux réussir face à l'adversité, face à ce qui pourrait être considéré comme quelque chose de mal ou quelque chose de complexe mais qui heureusement ne l'est pas grâce à eux. Grâce à ces alliés de choc, on comprend rapidement que le monde n'est pas si terrifiant que cela, et qu'au bout du compte, on peut facilement non pas toujours le détruire, mais au moins faire en sorte de lui enlever cette base terrifiante qui nous empêche d'avancer. Une base qui devient alors le terreau essentiel non seulement pour notre survie, mais également pour la solidité du duo que nous sommes en train de former. Un duo qui combat beaucoup de choses, mais qui avant tout sait pour qui il doit rester fidèle, que ce soit des principes, une certaine vision du monde, un regard critique sur la société, ou simplement cette idée d'avancer dans la même direction. Tous ces duos sont basés sur ce principe d'assurance et de compréhension de l'autre. Une mère et son fils, une guêpe et une fourmi, un flic et un truand, une danseuse et un repenti, une policière et un fugitif, bref, chacun de ces duos se complète et se sent lié plus que jamais les uns aux autres pour qu'au final, ils parviennent à avancer dans la même direction. Une direction qui les emmènera certainement sur un chemin semé d'embûches, mais qu'ils seront capables d'affronter, comme toujours, à deux.